Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Qui veut gagner des millions. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jean-Pierre. On a fait connaissance hier, ça s'est pas trop mal passé. Hein. Non, pas trop mal. Bon, on va le voir dans une seconde, vous n'avez utilisé qu'un seul joker, celui du public. Je rappelle que vous êtes retraité du métier de quality manager dans le nucléaire civil. Mmh. Mmh. Et vous êtes accompagné de votre petit-fils Tanguy. Ça va Tanguy? Oui, très bien. Bon. Vous faites du bricolage pour ce qui vous concerne. Du jardinage, comme bon nombre de personnes qui nous regardent. Et si vous gagnez, bien vous partirez en croisière vers le soleil de minuit avec votre épouse. Voici la pyramide des gains qui est là. Oui, alors c'est 6 000 hier et le public. Hein. Vous avez bien fait d'utiliser ce joker. Tout à fait. Donc il ne vous reste que 3 questions, 1, 2, 3 à regarder pour arriver. Nous y sommes à 48 000 euros. Et davantage, si vous le souhaitez, 5 questions supplémentaires pour atteindre le million, Jacques. En fait, vous êtes là pour ça, on est bien d'accord. Tout hein à fait. Comme tous les candidats qui viennent jouer à Qui veut gagner des millions. Il y en a un à chaque fois. 3 jokers restent à votre disposition, le 50-50, le coup de fil et le fameux switch. Eh bien, c'est parti avec Tanguy, qui accompagne son grand-père, Jacques. Nous jouons ensemble avec vous à Qui veut gagner des millions. Et cette question vaut 12 000 euros. C'est la 8e de la pyramide, la voici. La célèbre statue de la Vénus de Milo représente la déesse avec une coupe au bol, les cheveux relevés, des tresses ou un voile sur la tête. Donc vous voyez bien la Vénus de Milo, vous la voyez ou pas? Je la vois. Mais la caractéristique dont je me souviens, ça n'a aucun rapport avec sa tête. Ben, on se souvient tous de la même. J'imagine. Caractéristique. Mais là, on s'intéresse aux cheveux. Donc, elle représente la Vénus. A, une coupe au bol. B, les cheveux relevés. C, des tresses. D, un voile sur la tête. La coupe au bol, je pense pas. Oui, quelle caractéristique elle a, la Vénus de Milo, que nous connaissons? Elle n'a pas de bras. Elle n'a pas de bras, ouais. Mais elle a une tête. Ça, c'est sûr. Elle n'a pas de bras dans l'état où nous la connaissons aujourd'hui. Voilà, ils n'ont pas retrouvé les bras quand ils ont retrouvé la statue. Alors, il y a 3 solutions, 4 solutions. La première, vous répondez, tout à trac. Et il y en a 3 autres, c'est ou 50-50, ou coup de fil, ou on change de question. Bon, 50-50, ça m'aidera pas beaucoup. Ah non, si vous vous souvenez pas de... Pas du tout, parce que je peux éliminer a priori la coupe au bol, parce que ça n'a rien de grec, il me semble, tout au moins. Mais il en reste 3, donc le 50-50, sauf ouais, grand coup de chance, ça va pas me m'aider exact beaucoup. Coup de fil à un ami, je vois pas lequel connaît bien la Vénus de Milo. J'ai compris, on va directement vers le switch là, non? J'ai l'impression, oui. Je ne veux pas vous y obliger, c'est vous qui décidez, n'est-ce pas? Oui, non, mais bon, mes jokers, effectivement, il se peut qu'il y en ait un qui connaisse la réponse. Oui. A priori, je vois pas lequel. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On switch. On switch. On va switcher. Allez, qu'est-ce que vous auriez dit? Donc, vous éliminez la coupe au bol. Je me trompe peut-être en faisant ça. Faut pas confondre avec Mireille Mathieu. Là, il s'agit de la Vénus de Milo. Oui, hein. Tout à fait, tout à fait. Je dirais un voile sur la tête, mais... Un voile sur la tête. Eh bien, non. Elle était particulièrement bien coiffée, les cheveux relevés avec soin. Ah ouais, donc j'ai bien fait. Ah oui, vous avez bien fait. Oui. Et c'est vrai qu'on... On ne prête pas cas de sa coiffure. Mmh, c'est une excellente c'est question. Vrai. Bravo au rédacteur. Une nouvelle question pour vous, Jacques, selon votre souhait. La voici. Dans le film Borsalino, Delon et Belmondo sont 2 truands qui sévissent à Palerme, Ajaccio, Marseille, Chicago. Oh, ben, ils sévissent dans une ville que vous connaissez bien. Je connais les 4. Oui. Mais je dirais Marseille. Alors, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Savez-vous qui a écrit le livre dont est tiré le film? Non.
Je vais vous le dire. Un jeune journaliste d'alors qui travaillait au journal Le Méridional et qui s'appelle Eugène Saccomano. Ah, tiens. Ça vous dit quelque chose? Oui, oui, tout à fait. Tout Eugène Saccomano, Le Méridional, c'était Marseille. Bonne réponse à M. Bonnard. Vous avez donc 12 000 euros, bien joué. Neuvième question pour 24 000 euros. En 2007, on peut désormais dire l'an dernier. Tout à fait. On a célébré le 100e anniversaire de la FIFA, du premier parc Disney, du CIO, le Comité International Olympique, ou du scoutisme. Donc, le 100e anniversaire, c'est-à-dire 2007 moins 100. 1907. Autrement dit, ce serait Baden-Powell aurait lancé son mouvement en 1907, si c'était le scoutisme. Si c'était le scoutisme. Baden-Powell qui en est en effet le créateur. Hein. Ouais. Mais est-ce que c'était en 1907? Est-ce que c'était la FIFA? Est-ce que c'était Disney? Procédez, voulez-vous, par élimination, peut-être? Bon, premier parc Disney, non. Parce que Disney, il y a 100 ans, je ne pense pas qu'il était en état de créer son premier parc. D'accord. Alors, on l'enlèverait. Ensuite, le CIO. Comité international olympique. 1907. On est dans la zone, je pense. On est dans la zone au point de vue temps. Les premiers Jeux olympiques, c'était quand? C'était avant, je pense. Non, je sais plus. La FIFA. Je pense que c'était après. Alors, qu'est-ce qui reste? CIO et scoutisme. Bon, après tout, on va y aller. Alors, je dirais le 100e anniversaire du scoutisme, la réponse D. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Disney, c'était en Californie en 1955. Là, c'est sûr. La FIFA, c'était en 1904. Il reste le CIO. Alors, de quand datent les Jeux modernes, c'est ça? Oui. Il me semble que c'était avant 1900, les premiers, avec Pierre de Coubertin. Mais je ne suis pas sûr, néanmoins. Le CIO a été fondé avec le retour des Jeux modernes en 1894, c'est donc le scoutisme. Voilà. Bien joué. Bravo. Et on en a parlé, vous avez raison l'an dernier. Mm-hmm. On a fêté, il devait y avoir des jamborees à travers le monde, la création par Lord Baden-Powell, du scoutisme en 1907. Plus qu'une seule réponse et deux jokers que vous avez su préserver, Jacques, pour arriver au palier des 48 000 euros. Voici la question. Dans quelle ville ne peut-on pas payer un café avec des dinars? On ne peut pas, ils n'acceptent pas les dinars. Alger, Tanger, Bagdad, Tunis. Procédons par élimination. Il y en a trois de ces villes dans lesquelles on peut payer un café ou même un thé avec des dinars. Quels sont les trois? Il en resterait une. Bon, il y en a trois qui sont en Afrique du Nord. Oui. Des voisines, Alger, enfin relativement dans des pays voisins. Mais est-ce que ces trois pays, puisque vous évoquez sans doute l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, oui. Est-ce que c'est une monnaie? Est-ce qu'il y a des dinars partout ou est-ce qu'il n'y a pas de dinars? Voilà.
Bon, je suis jamais allé en Afrique du Nord. J'ai entendu parler du dinar, qui est utilisé dans certains pays en Afrique du Nord. Je ne sais pas si c'est utilisé dans les trois. Mais si c'est utilisé dans les trois, ce ne sont pas forcément les mêmes dinars. Mais peut-être peut-on payer avec l'argent du pays voisin. Dans quelle ville ne peut-on pas payer quoi que ce soit avec des dinars? Donc en réalité, je vous demande quelle est la monnaie officielle qui a cours à Alger, à Tanger, à Bagdad ou à Tunis. Dans une des trois, il ne s'agit pas de dinars. Le 50-50 peut-être. Non? Bon. Oui, le 50-50. D'accord. Pour arriver aux 48 000, voulez-vous retirer deux mauvaises réponses, s'il vous plaît? Alors, au Maroc, il n'y a ou il n'y a pas de dinar. En Tunisie, il n'y a ou il n'y a pas de dinar. Voilà. Dans l'une des deux villes, on n'accepte pas les dinars. On accepte une autre monnaie, donc. D'accord? Oui. Non, je comprends bien le sens de la question. Sans le 50-50, j'aurais répondu Bagdad. Mais donc, vous avez bien fait de prendre le 50-50. Vous avez peut-être un ami qui voyage. Qui a beaucoup voyagé. Voilà. Je vais appeler Laurent. D'accord. Appelons Laurent. Qui est-il, Laurent? Un cousin. D'accord. Mon neveu, plus exactement. Demandez-lui quelle est la monnaie du Maroc, comme vous voulez. Oui, allô? Laurent, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui, bonsoir, Jean-Pierre. Comment allez-vous? Et vous-même? Bah, bon, ça va. On fait aller, bonne année, hein. Je suis avec Jacques. Oui. Et Tanguy, et nous avons besoin de vous. Vous voyagez beaucoup, non? Oui, j'ai voyagé beaucoup, oui. Quel endroit? Partout dans le monde. Mais partout? Oui, en gros, oui. Bassin méditerranéen, Oui, bassin méditerranéen, mais pas particulièrement. Enfin, je vais essayer de vous aider, si possible. D'accord, mais c'est pas moi surtout que vous allez aider, c'est Jacques. Ah, d'accord. Voici la question. Laurent, dans quelle ville ne peut-on pas payer avec des dinars? Tanger ou Tunis? Dans quelle ville on n'accepte pas les dinars? Tanger ou Tunis? Je dirais que c'est au Maroc. Pourquoi? J'ai pas de réponse rationnelle, donc, mais ça serait plutôt le Maroc. Le Maroc, on prend pas de dinars, alors, c'est ouais, ça, hein? Ouais. Ok. Merci. Bon, au point où j'en suis, je vais dire Tunis, puisqu'on n'accepte pas les dinars au Maroc. Non, attendez. La question est dans quelle ville? On ne peut pas payer avec des dinars, exact. Lui, il vous dit le Maroc. Le Maroc, c'est Tanger. D'accord, donc Tanger. Maintenant... Oui, Tanger. La réponse qu'il a proposée, c'est le Maroc, c'est-à-dire Tanger. Tanger. Hein? D'après lui, la monnaie officielle du Maroc ne serait pas le dinar. Voilà. Donc, je réponds Tanger. Si c'est pas ça, vous retombez à 1500. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je vais suivre Laurent. C'est-à-dire qu'il n'a pas été vraiment... Il n'a pas explosé, il n'a pas fait... Comment dirais-je? Exploser les forces de la joie. Vous voyez non. ce que je veux dire? Je sais, mais bon... Prenez un verre d'eau avant la réponse, ce sera déjà toujours ça de prix. Vous n'êtes pas rassurant. Vous pouvez enlever la main, s'il vous plaît? Voilà, la prendre, voilà. Ah, excusez-moi. Eh oui. Merci beaucoup. Je vous remercie de l'avoir pris du bon côté, de m'inviter de... Alors, dans quelle ville ne peut-on pas payer un café avec des dinars? On ne peut pas payer avec des dinars à Tanger, car il s'agit des dirhams. 48 000. Merci Laurent. Merci Laurent. Algérie, Tunisie, Irak, c'est le dinar. Ouais. Pas forcément le même. Hein? Non. Mais au Maroc, c'est le dirham. Hein? Et alors, Tanguy le savait, hein, que tu le savais?
Oui, oui. Voilà. C'est pas mal. Vous commencez très bien l'année avec ces 48 000 euros. Voici la question 11 qui envoie un peu plus 72 000 regards. En gastronomie, la sauce Robert, Jacques, accompagne très souvent les côtes de porc, les raies au capre, les œufs mollets, les quenelles de brochet. Alors, quand vous prenez l'un des quatre plats, on l'accompagne généralement de sauce Robert, Jacques. Oh, ben là, ça va être vite réglé parce que j'ai jamais entendu parler de la sauce Robert. Ben, c'est bon, la sauce Robert avec... Ah, je n'en doute pas. Avec un des quatre plats. C'est-à-dire que vous la mangez sans savoir qu'il s'agit voilà, de la sauce vraisemblablement. Robert. Vraisemblablement. Bon, côte de porc et au capre, j'en ai mangé plusieurs fois au restaurant sans entendre parler de sauce Robert. A priori... Allez-y, c'est l'un sur quatre, oui, parce que vous ne savez pas. A priori, bon, c'est de là. Maintenant, œufs mollets. Allez, je vais dire quenelle de brochet. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est une sauce à base de vin blanc et de moutarde. Avec le brochet, c'était côte de porc. Ça accompagne la viande grillée généralement. On appelle ça la sauce Robert. Ben écoutez, j'ignorais ça. On aura appris quelque chose tous c'est les deux. Sûr, merci à vous. Félicitations pour ces 48 000 euros que vous avez gagnés merci. Ce soir. Au revoir. Au revoir, Jean-Pierre. Salut, Tanguy. Eh bien, 48 000 euros. C'est magnifique.